prêts, les enfants? Le jour vient de se lever et nous avons une longue journée de route qui nous attend. Je suis impatient d'arriver. Qu'est-ce que tu comptes faire quand on sera au ranch, Gwen? Laisse-moi tranquille, je lis. Je vais faire appel au dard pour m'entraîner au tir sur cible. T'as vu ça, Gwen? Non, mais je l'ai senti. Non, c'était trop génial. Gwen. Je t'ai dit que j'étais en train de lire. Du calme, les enfants. Je crois que vous êtes enfermés depuis trop longtemps. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un bon bol d'air frais. Ouais, les duels de cow-boys, les bagarres de saloon. Le Far West se trouve derrière cette porte. Wouhou! Pourquoi il fait si chaud? Sauf qui peut. Vite, dans le camping-car. Si de vrais cow-boys vous avaient vu détaler, ils feraient de vous la risée de toute la ville. Faut reconnaître qu'il fait quand même un peu chaud. Pas de regret, hein? Hé! Bonjour, cow-boy! On dirait qu'un grand verre d'eau vous ferait du bien. Oh, tu crois que grand-père va bien? Hé, les enfants! J'ai rencontré une dame qui a un camping-car qui ressemble beaucoup au nôtre. Elle m'a parlé d'une belle balade à faire sur la colline de Tombstone. Elle ne fait que 15 km et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester ici. Quoi? Oh, c'est génial! Je vous présente Maxine. Bonjour, les enfants. Bonjour. Elle visite le pays comme nous en camping-car. Ses petits-enfants ne veulent pas marcher non plus. Alors j'ai pensé qu'ils pourraient rester avec vous. On va garder des bébés? Oh là, pas si vite, grand-père. Ne vous en faites pas. Vous n'aurez pas à gérer le plus petit. C'est son frère qui s'en occupe. Hé, hey, les garçons, venez un petit peu par ici. Je vous présente Ryan. Salut. Oh. Et voici son petit frère, l'adorable Jacques. J'ai 6 ans. Vous êtes ne d'accord? Ne t'en fais pas pour nous, grand-père. Tout ira bien. Oh. Va faire cette balade et amuse-toi bien. Tu le mérites. Oh. Adieu, grand-père. Ça va aller, vous êtes sûr? À plus tard, grand-père. Bon, d'accord, à plus tard. Ryan, n'oublie pas le jus et la sieste de Jacques. Tu sais de quoi il est capable. Ouais. Alors, tu es en quelle classe? Elle est chouette, ta montre. Moi, j'ai un sac à dos qui me transforme en robot. Tu lis des BD? Ah, il est sympa, ton t-shirt. Tu sais qu'un cerveau humain pèse en moyenne 3,5 kilos. Parfois, grand-mère est obligée de cacher mes piles. J'aime me transformer en robot. J'adore les super-héros. Oh. Je connais l'orthographe du mot Mississippi. Tu veux que je te l'apprenne? Facile. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. J'ai l'intention de passer un diplôme en géologie. Et toi, alors, tu voudras faire quoi? On peut échanger. Ce gamin me donne la migraine. Ben! Oh. Oh. Tiens! Pourquoi vous n'iriez pas vous acheter une glace ou autre chose? Mais qui fait chaud ici? Oh. Finalement, peut-être qu'une glace nous fera du bien à tous les deux. Moi, je préfère le jus de fruits.